Dames et messieurs, les chats, et plats bien gut, dans contrades, oui, la vostre émission en Occitan, qui va découvrir un petit renvers, un petit boursier, un petit parça de Périgord, de Nord Périgord, à l'entour de la commune de Zaverlia, qui va m'encontrer monde, qui va m'encontrer Jean-Pierre, qui va m'encontrer monde de la Seube, du Boy, comme disent ici, qui va m'encontrer Luthier, qui va me découvrir un document exceptionnel à propos de la résistance et de la bataille de la Zaverlia et de la Seconde Guerre mondiale. Mais de tirer Cazabet, la vostre émission qui commence en compagnie de Fred et de Hockey. Le soleil, qu'est-ce que tu as inventé pendant l'Antiquité? Pour le monde du sud, ta ha kaga le monde du nord. Et oh, ouais, que parlons de la météo. Ok! Sabet en Occita qui a mis d'une tour de phrase en ta parla de la météo, du ciel, du soleil, de la pluie. Ha ha! Que va plaire! Nous! Que bon plave! Et oh, per nous, la pluie qui cate, qui est une volonté divine. Que cau donc dise que bon plave, il veut pleuvoir. Au nom de scrum, de la snuble et de la sainte pluie. Ne truffes pas trop de youtu, tu. Une volonté de Dieu qui a, mais après, une prégari. Autre exemple, la calou. Bah non, il fait chaud, hein. Et nous, calou n'est pas un adjectif, qui est un concept. N'est pas il fait chaud, mais il fait chaleur. Ce qui est mais logique en fait, que cau donc dise que he calou. Oh, perdu la calouras. Enfi le vocabulaire, qui est du riquet, de non pas crede. Per la pluie, par exemple, qu'il y a un mot différent selon l'intensité de la pluie. La plougette, la pluiasse, la trempagne, le benplui, la pluie, la rice, la... La bourrade, ah ouais. D'aujus qu'il n'y a tant que le français qui s'en a emprunté Caucasus. Un chaguette, non? Oui! Et cool! Je parle occitan! Atao, les Inuits qui ont belle léo mais du mout pour désigner la neu, nous avons qu'on avait une sarotte pour la pluie. Et que tournons à Zaverlia, dans le nord du pays Périgord, qui m'a dit d'avoir la glaise de la Capère Saint-Roubert, qui va découvrir l'endroit, qui va parler de la Seube du Boy, comme disent ici, qui va parler, rencontrer un luthier, qui va découvrir un document exceptionnel, qui va tourner à la résistance à la zone de la Deuxième Guerre mondiale, mais purement, qui va rencontrer le nouveau convidat, et bien qui s'appelle Jean-Pierre Reidi. Et bonjour Jean-Pierre. Bonjour Dani. Que va bien? Que va, merci. Que va parler massa tabé du vostre tribal et de ce que êtes. Pour moi, que écrivez en Occitan, qui est un livre qui s'appelle Per ma fé, qui a chroniques et autres textes du pays dans sa langue. Qu'est-ce qui est? Du pays dans sa langue. Parle du pays. Alors, le pays qui est en tout le pays qui est en tout et me sait le va. Pas trop loin d'ici. Et que le Périgord est mangé, c'est le nord de la Dordogne, qui est le Périgord vert. Comme vous voyez, il y a tout plein de beaux, de pitatera, et un des thèmes de ce livre, qui est un thème essentiel, qui est le pays qui est petit. Tout est petit ici. Vous voyez, la terre est petite, le beau est petit, le gros est petit, le sami est petit, le caractère. La route est étroite, et le monde est évident, et le monde qui est grand, qui est de grandes amazzinas, de grandes usines, qui l'économie mondialisée. Et ici, dans un paradoxe, dans le Caucoré qui ne va pas, le pays et le monde ne sont pas tout à fait adaptés. Et qui est un peu le problème qui se pose, qui en parle ici.
Donc, à quel pays nous allons parler à Oran, qui va parler d'un aspect majeur de quel pays, qui est le bois, la selva. Qu'est-ce que va m'équiper, Adrien, quand on met une petite carrette à Marseille dans le bois, et pendant ce temps, qui va regarder un petit reportage, à quel reportage qui va passer au milieu de la selva, d'abus spécialiste. Encontrata a Miseu Mazo, aquest perigordi que passa la sua vida al miei de la selva, d'altres cops que havia seguiria a dar que retirat que es consacra a la preservació d'arbus vieis de calques segles. Per arribar a l'arbre en tau, fa 6, 7, 8 generacions. On fa 200 anys aquí, a peu près. Voilà. Quand nous coupons le bois, il faut couper le petit bois, le tailladi, et puis tu cas le tailliné. Et tout le coup que nous coupons le tailladi, nous laissons le tailliné. Il y a que le tailliné, quand on bat, un coup de vent, et qu'on crée un puits de lumière. Et du coup, le petit tsainé qui est une pépinière, ils sont partis pour se développer. Et qui tsainé qui vont tourner à remplacer Kuiki, qui est trop vieille, ou peu importe, ou Itumba, ou Itumba. Et les rondrées, elles sont importantes parce que le cervidé ne vient pas miner qui petit planque. Nous essayons de. Que c'est la nature qui commande, qui n'est pas notre. La forêt n'est pas notre. Qui est elle qui commande. Et nous sommes juste qui pour la transmettre à nos filles, nos petites-filles. Qui cautise que la huste est plus importante dans le Périgord vert. Exemple dans cette séguerie du Parça qui a des ségues carpentes et piquettes, mais ça sera le produit noble qui est l'humérène. L'humérène. Qui est pour faire des douelles. Les douelles qui est pour faire des barriques. Ici, nous travaillons par le cognac. Nous, mais par le cognac. Il faut choisir le bois de premier choix, dans le bois. Et ici, nous le fendons sur quartier. Et ici, il faut faire attention que le rayon médulaire. Comme quoi? Et par qui? Qui est pour faire l'intensité de la barrique. Dès que le produit qui est là-bas, et votre visée, qui est bon. Alors, qu'est-ce qui est d'autre saïné? Nous, mais d'autre saïné. Alors, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est là? Alors, quand c'est vrai, qu'est-ce qui est. Au pissot, qui est négré, qui est plus bon d'autre. Ici, on a un tsainé qui est bon pour faire l'humérène, pour faire les douelles. Voilà, le cœur est bon. Ici, il y a une petite roulure, mais quand il faillerait, qu'on est plus mettre sang aussi. Le miseu que poderé parlar de su tribai per hores, l'homme caime la seuba, que tornam au co du bosc qu'ei dans la famille Mazo despuix 4 generacions, un patrimoni natural de qui a reclame prou de paciència. Quina dia, aquel? Oh, a peu près 200 anys, qui. Quoi est le vostre sentiment quan regarda a cau carrentau? Ben, no voy perquè cotumbo. Je voudrais qu'on démoure un temps par l'enfant, par le petit enfant, par le petit fille, si nous pouvons. Nous sommes obligés de respecter l'arbre en temps, qui est un vieil arbre. La forêt dessous ne peut pas fruiter, quoi qu'il y ait sûr. Mais comme il y a d'autres arbres qui n'ont pas que la qualité, ils vont tomber, nous allons le faire tomber, pas faire de puits de lumière. Donc, qui comme le plus beau, nous attendons qu'ils passent leur vie.
avant de l'exploiter. Quand ils vont donner le signe de fatigue, à qui, ouais, nous pourrions l'exploiter. Qui est très important, le bois dans les Périgord verts. Il y a beaucoup de petits propriétaires et qui entourent un petit peu de bois et qui l'adoptent souvent, qui avaient de leurs parents, de leurs grands-parents, et qui est sentimental, qui est difficile de se séparer. Nous, mais quand il y a un peu le coffre-fort, voilà. Quand les gens ont besoin d'un peu d'argent, à qui ils t'appellent le bois. Mais il t'a pas par rapport à tout coupé, sinon pas besoin. Et que par quoi qu'il y a une guerre de la forêt dans l'Impérigord vert. Quoi, vous visez la forêt d'Amazonie, les images des coupes dures Nous sommes tous un peu responsables de quoi, mais qui est terrible. Alors, qu'il y a un boy qui fait mal? Avec quelqu'un qui fait mal, automatiquement. Et non pas en Amazonie, en Indonésie, qui est la même chose, en Afrique, au Congo et autres, qui est terrible, qui est terrible par tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a l'argent. Les politiques, l'industrie et tout ce qui est. Le bois ne compte pas par des intérêts, qui nous met du profit. Et qui est terrible par la forêt, par l'écologie, par tout le reste. Et à notre échelle, qui est de faire attention à la forêt, par qu'elle demeure. Parce qu'il faut du temps. Il faut du temps. Et notre, nous sommes dépassés, c'est qu'il faut penser à l'eau qui vient. Et que demeurons dans la seule Périgord, le boy, comme disent ici. Qu'est-ce que je crois, ici, quand je vois, et qu'est-ce que parler d'ici, et qu'est-ce que parler avec nos convidats, qui savent Jean-Pierre, Rédi Jean-Pierre, c'est ici, dans le croc, qu'est-ce qu'il y a, à quel croc? À quel croc? Qui era un croc dans la terre avant le mine de fer, au siècle XVIII, et que la mine de fer servait pour fondre le canot. Rasi de Verlia, la main avant Rasi de Verlia, par faire le canot d'Auray, de la marina d'Auray, qui canot d'ailleurs, il y a quelques canot de l'Hermione, qui fut refondu à Rasi de Verlia, Fort de Niovo, qui canot il ramène à Angoulême, et d'Angoulême il ramène à Rotefort, par le Saranto, et il s'arrive, comme déjà, à armer le bateau de la marine de Royer, au bateau de l'Empereur plus tard. On fait partie de l'histoire, quel canot? Oui. Un co-guide ami américain qui vient nous mener à qui de Mombo, qui est d'arrêt le Meizu, et lui a appliqué que l'indépendance de leur pays vient comme ça, qui. Parce qu'il était avant le canot et vient libérer leur pays. Bon, il sert, ça vient qu'il y a une couillonnade. Tout à coup, qu'est-ce que ça, dans la serbe, dans le bois, qui représente le bois, qui est important en Périgord? Qui est plus important? Avez-vous vu que nous avons tout plein de boue, hein, et qu'on crée une grande surface du pays. Nous avons tout fait dans le Meizu, au bois, mais que mai. Tout le monde a un petit coin de bois, de boue à qui, qui leur sert par trouver le bois, par ce tofa, et vous trouvez nous un pagnon et tout, hein? Qui nous s'ajoute. Aïe, aïe, au roi qui nous s'ajoute, il n'y a bon, Luc Campar, il n'y a pas de chance de la serve finale, puisque la laine est avec, qui est importante, que tu avais dit, que si c'est plus de cause d'avoir la laine, le stau, la charpente, le cognac, tu avais. Le cognac. Mais que si c'est avec instrument de musique, que avait rencontré un ami de vostre qui s'appelle Philippe. Alors, parle pas la langue nous, mais à Corail, qui est très intéressant, qui est de cause Herberoy, Philippe Mounier, qui est luthier et qui est de son saines.
Ils sont sains électriques, ils sont incroyables. Le modèle qui s'appelle Artus, puisque tout est développé dans le même Baudouin du groupe éponyme. Découverte d'un instrument. Il y a tous les éléments d'une vielle classique. La différence, c'est cette roue mobile qui permet de débrayer les cordes. C'est-à-dire que là, je peux passer du jeu classique, sans frotter, à rien du tout. Et à ce moment-là, je peux jouer uniquement en tapping. C'est pas pour faire plus de bruit ou pour sonoriser un instrument qui est difficile à sonoriser, c'est aussi pour pouvoir vraiment ouvrir les possibilités. Et bon, on a à notre disposition, du fait qu'on est sur des micros magnétiques, on a à notre disposition tout ce que les guitaristes électriques utilisent. Les sunsines de Philippe Mounier, qui sont faites à la main, et par 13 luthiers qui travaillent à masse, atteint comme le joue Florian Jousseli. Je ne connaissais pas, j'en avais déjà vu une ou deux fois dans des foires, trucs comme ça, mais je ne connaissais pas du tout. L'instrument m'a beaucoup plu quand il m'a montré, il m'a joué un petit morceau, il m'a expliqué comment ça marchait, ça m'a tout de suite plu. Philippe, Florian et le collègue Christophe Villeveigou, qui ont habité du collectif des luthiers, à Tau, qui s'escadent à un instrument pour clients de la haute custade de la planète. Ce qu'on veut investir là-dedans. Comme ce n'est pas spécialement lié à la musique traditionnelle européenne, ben, ça peut être joué n'importe où dans le monde. Hein. Du coup, il y a des clients qui peuvent venir de n'importe où. C'est pas lié à une. C'est un instrument qui a une origine, une histoire, mais cette histoire, elle n'est pas finie. Quoi. Avec Internet, on travaille beaucoup avec les États-Unis. Alors pourquoi les États-Unis? Parce qu'il y a une petite communauté de gens qui s'intéressent à la vielle à roue, qui viennent régulièrement au festival d'Ars, donc en France, voir ce qui se passe, voir les spectacles, voir les viellistes, etc., etc. Et qui est en train de grossir et de faire des petits, quoi. Atau donc de la fabrication des sunsines à Vulberta des luthiers. A qui vous tournez en troubase, à Verdiac, que ma horace du route 4 bédettes, qui est une route particulière au monde du Parsa, parce que tout simplement, pramou pen la deuxième guerre mondiale, qui a eu une bataille de la terrible, à qui la bataille des Averlia, et que ma qui tout stème dans Jean-Pay Rédi, Jean-Pay, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est stade à la bataille des Averlia? Alors, vous dire ce qui a été dit, c'est que le défunt Marshal Bailey m'a conté. Marshal Bailey, qui est quelqu'un de Taverlia qui avait connu, et qui malheureusement nous quittait, qui a fait deux hommes, et qui participait à la bataille de Taverlia, et faisait partie d'un résistant. L'Allemand, quand c'est passé le 24 de juillet de 1944, exactement. Il ne faisait pas le même temps qu'à Yue. À Yue, dans un brave soleil, par nous éclairer, mais le résistant est rendu le brouillard. Et quand c'est passé d'abord le matin, quand on commence d'abord le matin, et il vit qu'il n'y a pas tout à fait le même paysage, parce qu'il vient du Freisein, il y a un qui est au Caucasus, le long de la route, ici, la route d'Angoulême. L'Allemand et le milicien arrivent d'Angoulême. Et le résistant vient tomber un arbre en travers de la route, il t'a guéri le corps, donc il t'a guéri le renfort, et l'enseil, l'Allemand, pensait qu'il n'y aurait pas la peine de n'être plus loin, ils tourneraient parti, ils mèneraient leur mort, comme lui, parce que le résistant lui vient pour bras, qui aura une victoire de résistant. De résistant de qui hein, de pays. Sur le milicien, sur l'Allemand. Qui est des moments importants de la mémoire du pays ici. Ah oui, qui est important. Tout le monde, il y a de la commémoration ici. Ils mettaient nos arbres devant la stèle qui avait vu là le long de la route, parce que le résistant à Guérin, c'est mort. C'est mort qui fut Guérin, toi, au combat, au bateau fusillé. Une histoire là, c'est terrible. Est-ce qu'il avait parlé de Marcel? Justement, Marcel, que l'avait rencontré nous autres, qui était à l'époque, à la fin des années 2000, dans le suami Ricou, donc Ricou qui est encore vivant, Marcel malheureusement qui s'est mort, et que nous avons à l'époque filmé, que nous avons entrevisté Marcel et Ricou qui nous comptent la bataille des Averlia, qui est un document exceptionnel sur les contrades.
Eh bien, ici, pratiquement, que le 24 juillet, qu'on commence ici, qui est situé Raymond Lucas, et nous vient notre ami Roger Dugas, qui est de garde de la maison de Toki, exactement d'ici qui contrevient. Et alors, quand l'homme dit l'allemand libéré, il retirait le camion là, il venait à pied. Je crois qu'il y avait une bonne idée de se réunir et de tirer le plan en plein temps de leur auto. Alors, les copains, au détail de son mitraillette d'un groupe, il y a des gens qui ont blessé, mais ce que nous avons retenu, c'est que autour le chef de la milice, qui avait 25 ans, quoi, capitaine de la milice. Et c'est qui fut le premier mot de la journée. Le second mur qui est Roger Dugas et Médic. Mais ça soit que qui prévengou le sous-ami qui s'est fait fi de l'arrivée de deux Allemands, qui eren une vingtaine connus dans la selva et qui commencèrent des replegats dans le brouillard tas pour de organiser. Notre train, avec Ericou. Eh bien, nous t'avons l'air, hein, là, on a bouté un kipanaï, là. MJ, comme d'ancien. Et nous reculavons le long de la route. Derrière le fraîcheur. Alors après, quand on trouvait rien d'autre, on autre faisait un mitrailleur. Mais il y avait au coin d'au bois, là. Le rotomitrailleuse, là. Avec l'allemand. Le coin d'au bois, là. Et comme t'es, mais nous, sur la route, mais nous, j'en paie. Mais nous, on voulait aller sur la route, on nous, on voulait aller, hein. Tu l'avais avais passé. Mais l'offensive allemande qui barra des victimes. Purmé, le joint de l'arrêt, gahat comme tournable du bandiat. Le purmé, mais pas le d'arrêt, les allemands qui continuaient d'avancer. Qui Pierre Fauconnet, le chauffeur de notre chef, qui vient tourner à Kéré, qui vient tourner à Kéré de l'armée à Zomelier, qui habitait notre chef. Et quand on tournait, nous n'avons plus qui. Nous nous vient replaçant et on tombait. Entre les médecins allemands et puis qui le tueraient, qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Au cap d'une pause, les maquisards caressaient le soutien de la section de sabotage du capitaine Nancy et qui stoppent les Allemands. La section de sabotage qui arrivait de Nau, qui est de la direction de Piégu, qui devait être à l'autour de moi, qui est encore en temps. Et bien, il y avait un gros père là, il l'avait débarqué, puis aussitôt, il venait renquer avec un fusil mitrailleur, mais le poum, n'ero pas entendu que l'époque, qui era un parapet, mais un père. Et alors, le milicien arrivait par la route, là, mais qui era résidé dans cette région. Non, il faisait la route, il faut dire. Et alors, le gars qui era qui, ben, lui, ça se n'est comme un fou. Mais il tengerait un roque. Je tuerais de mieux à 10 heures de mieux, qu'au 40 ans. Hein. Qui connaît le Périgord pour avoir été au terre des résistants. Et pourquoi ah, mais des pays à couler croquant, des gens. Je donne le signal. Nous sommes tous paris qui ne sont pas les croquants. Non, ne rire, mais. Je me rappelle, mais je me sentais même que mon père a fait la guerre de 14, il a été à Gaza à Verdun. Puis, en ce moment, il faut dire que notre génération, nous n'étions pas la même amis avec l'Allemand. Faut un convenu. Nous avons gardé l'esprit de 14 Jésus. La Dordogne s'est prêté à voir, à se camoufler, avec tout le bois, tout le. Per de pleine, de l'école, qui réussit par se camoufler. Puis qui part. Comment l'Outaïa dit, oui. Comment un Corrèze, un Autovienne, à Paris, qui connaît violemment. Vous, quand avez eu 20 ans, pourquoi avez pris le maquis? Parce qu'il fut appelé au mois de mars, en 1944, parti au chantier de jeunesse, à Sainte-Livrade. En 1943, il me vient faire casser des Zaloukaliao par l'organisation Todd. Alors il part derrière un client. Il n'y a ni paix. Fin finale, les résistants ont déjà la position. Les Allemands sont 4 cops mais numéroses et la situation est difficile. Les cops qui sont partis, les Allemands et les miliciens qui interrogent les prisonniers et puis les fusillent. Roger Lapeyroni au Purmé, puis Manuel Acebes, le cap d'Aou, du FFI des Averlia. Cop était tellement fort et tout, nous disait, bon, replaisez-vous, vous trouverez sauter le bandier par de là et puis nous le tournerons un peu vers. D'après, vous fûtes blessé, ils s'avèrent de le tuer, qui Fin finale, les FFI des Averlia qui ont une empêche à la progression de la troupe milicienne et allemandes qui voulaient en attendre un tronc et qui n'y arrivèrent jamais. Estrange de penser que cette histoire terrible s'est passée à Kiou, il y a pas tant de temps qu'à quoi.
Estrany també de pensar que sense el sacrifici d'aquests homes, molts de país seré segurament pas lo mateix. Tant un pas d'esbrumba, a la majoria de Zaberdia que hi ha eu maquette de tots els esdeveniments d'aquest dia, i puis Marcelet, que ha escrit un llibre, Histoire simple et vraie, de la 2e compagnie brigade RAC. Que la fi de Contrades, jo, la vostra missió en Occità, que hi ha acabat, que vam deixar l'Ubamdiat, que vam deixar aquest renvers de Zaberdia en nord de Périgord, i puis que es van veure a Rendepe, que es van veure a Rendepe l'u dimensi en fi de matiada sur France 3 Aquitania, mais toute la semaine també en fi de matiada, mais sur Noa, la televisió de Nahuel Aquitania, en tout espera que desiri a tots un bon fi de dimensi, un bon fi de dia, a deixats a tots.